Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour un petit haul Nose. J'ai été faire un petit tour chez Nose et j'ai complètement craqué. Si vous voulez savoir un petit peu ce que j'utilise sur mes yeux, je vous mettrai tout en barre d'infos et je vous renvoie vers mon petit weekly vlog où je vous ai montré un peu les produits, les teintes, etc. que j'utilisais. Pour le haul Nose, vraiment, j'ai fait des merveilles, j'ai trouvé des merveilles. J'y vais pas souvent chez Nose, pourtant j'en ai un pas trop loin de chez moi. Mais il est un peu en bazar, faut avouer, même beaucoup. Et c'est dur de s'y retrouver. Mais là, je savais qu'il y avait des petits arrivages qui m'intéressaient. Pas forcément en beauté, parfois je vous fais des hauls beauté Nose. Mais là, c'était en accessoires. Et j'ai trouvé des trucs trop bien. Ça, ce truc-là, si vous le voyez, mais prenez-le, courez, sautez. Il coûte 34€, j'ai vu dans d'autres Nose qui étaient à 29€, je ne sais pas pourquoi dans le mien il est un peu plus cher, c'est le Magic Bullet. Il coûte 100€ ce petit robot, je l'ai déjà en fait. Oui, la fille elle a racheté un truc qu'elle a déjà, mais il est un peu sentimental celui que j'ai, et j'ai peur qu'il finisse bientôt parce que il se fait vieux. Il y a quelques années, ma grand-mère me l'a offert. Avec tous les accessoires, c'était une grande fan de tout ce qui était télé-shopping, etc. Elle avait sûrement acheté sur les trucs de télé-shopping, etc. Vous l'avez peut-être vu passer là-bas si vous regardez ça. Et je l'avais aussi connu au Canada en fait. Quand je suis partie au Canada il y a quelques années, j'ai découvert le Magic Bullet parce que les gens qui m'avaient accueilli là-bas l'utilisaient beaucoup pour faire des smoothies, etc. Et j'avais trouvé ça trop bien. Je voulais même en acheter un là-bas à l'époque. Et j'avais résisté parce qu'il y a des prises différentes de chez nous, donc j'avais pas pris. Je me suis dit on verra bien un jour en France. Du coup, quand je suis arrivée en France, ma grand-mère l'avait et me l'a offert à la naissance de ma fille. Et je l'utilise depuis la naissance de ma fille, donc ça va bientôt faire 5 ans. Et honnêtement, il marche super super bien, mais j'ai peur que bientôt la base commence à mourir. Pour l'instant, ça va. Mais comme j'ai peur et que c'est très sentimental ce petit Magic Bullet, j'en ai pris un autre. Il était à 34€, il y en avait d'autres sortes, des un peu différents pour spécialement les légumes, etc. Pour couper vos légumes, etc. Il y en avait plusieurs sortes dans le Nose. Il y avait d'ailleurs plusieurs prix aussi, hein. Moi j'ai vraiment pris celui qui me paraissait le même que le mien à peu près et qui faisait les fonctions comme le mien. Honnêtement je fais vraiment plein de choses avec. Vous pouvez donc faire du houmous, du fromage râpé, du moudre votre café, alors ils mettent de la sauce salsa, vous pouvez faire des cocktails, des smoothies, du guacamole, de la sauce pesto. Vous pouvez faire en fait tout ce que vous voulez, ça mixe vraiment trop bien. Et ce qui est pas mal c'est que c'est une base qui est fixe, hein, et vous mettez votre mixture dans votre gobelet comme ça. Vous mettez directement la lame sur le gobelet et après vous mettez à l'envers. Donc il faut bien mettre la lame qui ferme, hein, le gobelet. Vous mettez à l'envers et vous mixez directement dans votre gobelet. Quand vous avez fini, ça vous fait donc votre propre gobelet de smoothie. Vous n'avez pas besoin d'avoir un gros mixeur, un gros blender. Moi j'adore, je trouve ça trop pratique. Vous mettez au lave-vaisselle, ça se lave direct. C'est vite fait à laver, c'est très sympa. Enfin, moi je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore, honnêtement. Trop contente de l'avoir vu. D'ailleurs, je l'ai vu sur les photos du Instagram de Meloana, donc Mélanie, ma copine HappyTogether17, qui montre parfois les arrivages chez Nose. Et du coup, moi aussi, je vous montre un petit peu, mais j'y vais moins souvent qu'elle. Et du coup, j'ai vu qu'il était dessus, enfin qu'il était dans son Nose, et je me suis dit, tiens, j'irai voir dans le mien à l'occasion pour voir s'il y est encore. Et je suis trop contente. Donc 34€, je pense que ça doit coûter 50-70€. Ma grand-mère, je sais qu'elle avait payé 100€. Honnêtement ça vaut quand même le coup, mais moi comme je vous ai dit c'est très sentimental et c'est quelque chose que j'utilise énormément au quotidien. Donc c'est un must have. Je vous le conseille encore une fois, je me répète. J'ai trouvé aussi des pépites pour mes enfants et des petites pépites au niveau beauté, je vais vous montrer ça tout de suite. Au niveau pour mes enfants j'ai trouvé une petite valisette comme ça avec des coloriages pyjama masque. Je sais que mes enfants adorent ce dessin animé, de temps en temps on leur en met un. Alors il y a des coloriages, il y a des petits feutres etc, des crayons de couleur, tout dans une valise. Ça je pense que ça va être pour mon fils à son anniversaire. Voilà, j'ai acheté que des trucs pour leur anniversaire parce que je veux pas les gâter maintenant. Leur anniversaire c'est au mois d'avril donc c'est très bientôt et ils ont tous les trois leur anniversaire en même temps. Donc je commence un petit peu maintenant les petits cadeaux pour éviter de me ruiner. Et là c'était 2,99€, donc je trouve ça raisonnable, c'est une petite valisette, ça peut être très pratique quand il va chez mamie pour avoir ses petits dessins à lui. On va rester dans les jouets pour mes enfants, les cadeaux pour mes enfants. J'ai acheté vraiment plein de choses, il y avait un gros arrivage de Disney, etc, de cadeaux. Ma fille en ce moment est fan de la Reine des Neiges, elle a sa période maintenant, elle a vu le 2 au cinéma avec son papa. Du coup maintenant elle aime bien. J'ai trouvé ça du coup chez Nose à moins 50%, donc au lieu de 20€, non de 14€, il était à 7€. Je l'ai pris parce qu'il y a la peluche Olaf et parce que, alors le petit livre, je suis pas sûre que ça l'intéresse, mais on verra parce que c'est des livres quand même de bébé, hein, de petit, mais peut-être. Donc il y a 10 aventures fantastiques, la peluche Olaf, et je sais que la dernière fois elle m'a réclamé qu'elle voulait la peluche Olaf, donc je me suis dit que ça allait peut-être lui plaire à son anniversaire. Pour 7€, j'ai dit bon allez pourquoi pas.
On va rester pour ma fille, après on viendra pour mon fils. Je lui ai trouvé donc toujours de la Reine des Neiges, ce livre Cherche et Trouve. Je sais qu'elle en a un déjà, qu'elle a adoré faire, que c'est pas la Reine des Neiges, c'était les princesses je crois. Donc là, je suis contente de lui avoir trouvé pour à peine 3 euros, 4 euros. 4 euros, donc encore une fois à moins 50%, c'est les livres Cherche et Trouve, vous avez une image avec des petites choses à chercher, puis à vous de les chercher dans l'image et tout, donc ça je sais qu'elle adore faire ça toute seule. Ça va lui plaire, c'est sûr. Et toujours à moins 50%, au lieu de 20 euros, je crois que c'était 10. Enfin, 9 quelque chose, hein, 9,40 je crois. Donc voilà, c'est encore un coffret comme ça, avec dedans un livre. Toujours Cherche et Trouve, cette fois-ci Princesse. Logiquement, ça n'a pas l'air d'être le même qu'on a déjà, j'espère. Et à l'intérieur, il y a des cartes pour apprendre à écrire les chiffres. Et puis en même temps, il y a les dessins dessus. Je vous montre ça de plus près. Et il y a le stylo pour écrire, etc. Hop, vous voyez là. Les petites cartes avec les dessins, donc c'était un tout. Le livre est... J'espère que je ne l'ai pas en revanche. Hein. Et pour finir, pour mon fils, le grand je pense, il va avoir donc 3 ans. Je lui ai pris ça, c'est un petit compteur d'histoire. Quand vous appuyez sur les boutons, ça vous raconte l'histoire. Alors ça peut juste vous dire le... Et puis ça servira à mon dernier aussi qui va avoir 1 an. Soit il vous dit le nom de l'animal. Frère de la mère. Soit ça vous dit le nom de l'animal, soit ça vous lit l'histoire qui est en lien, ou soit ça vous raconte d'autres choses. Donc ça a l'air pas mal, et puis ça a l'air, voilà, c'est tactile, je pense que ça va lui plaire. Pareil, c'était à 9,40€ au lieu de 20€. Honnêtement, je trouve que j'ai vraiment fait des très 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 belles affaires. Je suis contente. Ici, j'ai trouvé donc du casse-grain, j'adore, curry jaune et légumes. Ça, c'est vraiment une marque de boîte de conserve que je vous conseille. Ils sont pas donnés, hein. Là c'était 1,50€ je pense, mais en magasin ça coûte 3-4€, mais ils sont très 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 bons, moi je les aime beaucoup, avec les enfants on aime vraiment bien ça, et elles sont petites les boîtes, mais quand même elles font au moins 4 personnes, bon pas des grosses quantités, mais 4 personnes accompagnées du riz, c'est très bien. J'ai trouvé au niveau beauté du savon noir, je suis contente du savon noir comme ça, j'en ai pris 2, un pour moi, un pour ma belle-mère, la marque Jardin d'Oléane. Je sais pas si vous connaissez, donc ça se présente comme ça. Et c'était 1,99€. Moi j'adore le savon noir, donc je suis contente d'en avoir trouvé. Puis j'en ai pris pour ma belle-maman. Tout comme le fameux gant, toujours de la même marque. Gant Kessa, ils appellent ça. Donc le gant traditionnel marocain. 1,99€ le gant. J'ai trouvé un peu cher, mais bon. Comme je voulais faire un package pour ma belle-mère, j'ai tout pris de la même marque. Et il y avait plein d'huiles pour le corps ou pour les cheveux, etc. D'huile cosmétique. J'ai pris l'huile de ricin pour mes cheveux, ceux de ma fille et... voilà, pour ceux de ma fille surtout, on peut l'utiliser aussi au niveau des cils, pour faire pousser les cils. J'ai pris de l'huile d'argan pour ma belle-mère, et puis de l'huile d'argan aussi pour moi. Les huiles étaient à 1,69€. À 50 centimes, j'ai trouvé des Merci Andy, des fameux dentifrices. Et mes préférés, ça reste ceux version menthe. Donc j'en ai pris pour nous, pour la maison. Et j'ai trouvé encore des petits livres pour mes enfants. J'ai pris un Cherche et Trouve pirate en anglais. Et ça, je suis trop contente. Il était à 1,50€ et en version tout en anglais. Comme ça, ça peut être très, très sympa pour travailler avec mes enfants, bah, le vocabulaire un peu anglophone. J'ai pris pour ma fille un point à point autocollant comme ça. C'est, bah, vous savez, les petits dessins. Alors, autocollant, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah, il y a des autocollants dedans à rajouter en après. Donc d'abord, elle doit faire les points à point comme ça en comptant de 1 à 10... 34, là c'est 34. Alors elle sait faire jusqu'à 10 sans problème, après on l'aidera peut-être pour les autres. Il y en a qui sont un petit peu plus, voilà, 30, ça dépend. Et après vous collez les autocollants qui sont à la fin, donc ça, ça peut être sympa en faisant avec elle. Et pour la rentrée, moi j'adore les livres sur la rentrée des classes, et j'adore aussi les livres Père Castor, ça me rappelle trop mon enfance. Et du coup là j'ai trouvé le Père Castor spécial école, donc il y a plein d'histoires pour l'école, et ça, ça va être parfait pour la rentrée des classes. J'aime bien lire tous les jours une petite histoire sur la rentrée des classes, vous savez, au fin août, pour que bah, vos enfants soient un petit peu baignés dans le truc. Et c'était 4€ le livre, ce qui restait tout à fait raisonnable, au lieu de 10€. Et c'est des éditions Flammarion. Honnêtement, il y avait beaucoup d'arrivages au niveau jouets pour les enfants, beaucoup d'arrivages au niveau livres. Il y avait vraiment plein de déco aussi, pour la salle de bain, les choses comme ça. Moi, j'ai pas trop regardé pour la cuisine, parce que ça m'intéressait pas spécialement. Mais il y avait vraiment beaucoup de choses, il était blindé. Au niveau beauté, vraiment, je savais absolument rien, à part les trucs savon noir, etc. Et puis pour finir, j'ai pris 2 petites panières comme ça, avec des poignées. Ils sont vraiment très qualitatif, un peu style tressé, et ils étaient à 2,99€, donc je sais que chez Action on en a, à peu près dans les mêmes prix, 2,50€, mais celle-ci j'ai trouvé un petit peu différente, jolie, j'en ai pris 2, c'est pour mettre les jouets de mes enfants dans le salon, pour éviter que ça traîne partout, et les ranger dans mon nouveau salon qui est un petit peu redécoré.
Voilà pour mes trouvailles chez Noz et honnêtement, je suis ravie d'y avoir été, même si mon mari avait de la fumée qui sortait par les oreilles parce qu'il n'en pouvait plus de ce magasin. C'est vrai que quand on a un enfant, pour circuler en poussette, c'est juste impossible. Moi, j'aime bien fouiner dans les rayons et trouver un peu ce qui me plaît comme ça, au hasard des rayons, un peu comme sur un marché, vous voyez. Je fouine, mais c'est pas du tout le délire de mon mari et c'est peut-être pas le vôtre. Hein. Si vous aimez les magasins hyper bien rangés, n'y allez pas. Si vous aimez un peu fouiner, trouver selon vos envies, comme ça, voilà, allez-y parce que ça sera comme moi, vous y trouverez sûrement un petit quelque chose de sympa. En tout cas, voilà, je suis trop contente de mes trouvailles chez Noz, vraiment, 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 vraiment. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez été chez Noz, vos trouvailles à vous, peut-être que ça me donne envie d'y retourner. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et je vous fais des gros bisous. Salut!